Dans cet exercice, il s'agit de déterminer l'équation de la droite D, passant par le point A égale moins 1, 1, moins 3, et deux vecteurs directeurs connus, dont les composantes sont moins 3 et 4. Dans cette situation qui concerne le plan, il est conseillé de faire un schéma pour s'aider à mieux comprendre la situation. A égale 1, moins 3, c'est donc le point qui est ici. A, 1, première coordonnée, moins 3, deuxième coordonnée. Et le vecteur V, moins 3, moins 4, peut être représenté, moins 3, 4, pardon, peut être représenté ainsi, par l'origine. Donc la droite que nous essayons de dont nous essayons de déterminer l'équation est une droite qui passe par ce point et qui est parallèle à la direction donnée par le vecteur D. On pourrait donc approximativement imaginer qu'il s'agit de cette droite. Donc la droite D. Comment procéder? L'idée est la suivante. Nous allons commencer par construire ou choisir un point sur la droite D quelconque. J'appelle ce point P de composante x, y. Donc ce qu'il faut avoir compris, c'est que P est un point qui est sur la droite D, mais dont on ne peut pas décider a priori où il se trouve sur la droite D. Il a exactement pour vocation de pouvoir bouger tout au long de la droite D. On construit ensuite un vecteur qui est le vecteur AP, qui relie donc le point A qui est un point connu de D au point P qui est un point inconnu de D. Et la remarque fondamentale consiste à dire que affirmer que le point P appartient à la droite est équivalent à dire que le vecteur AP, donc le vecteur rouge, ici, qui relie le point connu au point inconnu, ce vecteur AP, et le vecteur directeur qui était connu, le vecteur V, sont collinaires. Collinaires voulant dire que les directions de ces deux vecteurs sont des droites parallèles. Donc, il s'agit bien d'imaginer que où que je situe ce point P sur cette droite, si j'imagine que P bouge sur la droite, alors le vecteur rouge va lui-même bouger sur la droite, mais il restera toujours parallèle au vecteur directeur V. Par contre, si je sortais le point P du plan, alors le vecteur rouge ne serait plus collinaire au vecteur directeur. Ça, c'est l'essentiel de l'exercice. Toute la suite, ce n'est que la transcription algébrique sous forme d'équation et de calcul de cette idée. Le vecteur AP, je peux le construire, puisqu'on sait que le vecteur qui relie deux points a comme composante les coordonnées du premier point moins les coordonnées du plutôt les coordonnées du point final moins les coordonnées du point initial. Donc le point A étant de coordonnées 1, moins 3, et le point P de coordonnées x, y, ça fait bien x moins 1 comme première composante, et y moins moins 3 comme seconde composante. Dire que deux vecteurs sont collinaires, c'est-à-dire qu'il existe un nombre réel, aussi appelé scalaire dans ce contexte, qui permet d'obtenir l'un en multipliant l'autre par ce scalaire. Donc le vecteur V était de composante moins 3, 4, avec donc K, un scalaire ou un nombre réel quelconque, c'est la même chose. Ce qu'on peut observer encore, c'est que ce vecteur rouge est donc un multiple du vecteur noir. Si je choisis le point P ici, on se rend compte que ce multiple est à peu près égal à 3. Si je prends le point P et que je le déplace plus loin ici sur la droite, le multiple va grandir, augmenter.
Si je le réduis, le multiple restera toujours positif. Si par exemple P était ici, j'aurai un multiple qui sera à peu près égal à 1. Et si P passe de l'autre côté, j'aurai des multiples négatifs. Donc en faisant varier P à n'importe quel endroit de la droite, en réalité, on peut toujours obtenir un scalaire qui exprime cette relation de collinéarité. Nous savons comment manipuler algébriquement les vecteurs. Multiplier un vecteur par un scalaire, c'est multiplier chacune de ses composantes. Et dire que deux vecteurs sont égaux, c'est dire que la première composante du premier est égale à la première composante du second, la deuxième composante du premier est égale à la deuxième composante du second. J'obtiens donc un système d'équations paramétriques qu'il s'agit de résoudre en essayant d'éliminer le paramètre k. Pour ceci, je peux par exemple multiplier la première équation par 4 et la seconde par 3, ce qu'on indique par ce symbolisme. On obtient ainsi un nouveau système d'équations équivalent au précédent. 4x moins 4 est égal à 12x et 3y plus 9 est égal à, ici c'était moins 12x, 12x. Évidemment, j'ai choisi ces deux facteurs de telle sorte que j'obtienne ici moins 12k, bien sûr, et pas x, moins 12k et 12k. Lorsque j'additionne ces deux équations, il me reste 4x plus 3y moins 9, plus 9 moins 4 plus 5 est égal à 0. L'exercice est terminé. Puisque je suis passé ici par l'étape de poser une équation vectorielle de D, une équation qui s'exprime en termes de vecteurs. Ici, j'ai construit ce qu'on appelle un système d'équations paramétriques de D. Et finalement, l'objectif de l'exercice était de déterminer une équation cartésienne de D. Petit aparté final, que signifie une équation cartésienne de D ? D est un ensemble de points du plan, tous les points qui sont situés sur cette droite. Donc D sépare le plan en deux familles de points distinctes, tous les points qui sont sur la droite et tous les points qui ne sont pas sur la droite. C'est une vision géométrique de la situation. Au niveau algébrique, nous avons une équation avec deux variables x et y. Je peux donc choisir un couple xy avec deux coordonnées, une valeur réelle pour x et une valeur réelle pour y. Certains de ces couples sont solutions de l'équation, ça veut dire que quand je substitue x par la première coordonnée et y par la seconde, j'obtiens une égalité qui est vraie. Certains couples ne sont pas solutions de cette équation. Eh bien, dire que cette équation est celle de cette droite, ça veut dire que tous les couples qui sont solutions de cette équation sont les points correspondent aux points qui sont sur la droite. Tous les couples qui ne sont pas solutions de l'équation correspondent à des points qui ne sont pas sur la droite, et réciproquement, tous les points qui ne sont évidemment pas sur la droite ne vérifient pas l'équation. Tous les points qui sont sur la droite correspondent à des couples qui vérifient l'équation.